Bonjour Gilles Vatal. Bonjour Caronami. Merci beaucoup d'être présent et de participer à cette première vidéo de série parmi plein de prochaines où on va pouvoir échanger ensemble des techniques pour apprendre à être de plus en plus connecté à soi et revenir dans le moment présent et pleinement conscient. Tu utilises beaucoup les techniques de méditation et beaucoup de sagesse bouddhiste. On pourrait commencer avec un premier thème, comme justement, quels sont les outils que tu utilises au quotidien pour revenir pleinement ici et maintenant, quand tu te sens un peu emporté par tes peurs de l'avenir, ou alors par tes regrets ou des chagrins du passé. Qu'est-ce que tu fais pour revenir maintenant ici, dans ton corps, et intégrer tes émotions? La première chose pour revenir dans le moment présent, ici maintenant, c'est de se connecter avec l'expérience qui est vécue ici dans notre corps. On a nos pensées qui sont prises en train soit d'avoir peur de ce qui peut se passer dans le futur ou de rester bloqué sur des expériences dans le passé. Donc de porter attention à l'expérience vécue maintenant, simplement à travers notre respiration, permet de nous reconnecter dans le moment présent. Donc la première chose, simplement respirer. Observez que, ok, peut-être vous avez une journée stressante, peut-être qu'il y a quelque chose de difficile, des challenges. Portez attention à ce qui se passe là maintenant. Vous êtes dans le moment présent. Portez attention à votre respiration. Déjà simplement, de faire ce retour à soi nous permet de relâcher un peu de cette pression qu'on a. Ensuite, l'autre aspect, c'est d'être présent consciemment, de vouloir habiter dans notre corps. De vouloir habiter dans notre corps va permettre à donner à notre corps ce sentiment de « Ah, quelqu'un prend soin de moi, on s'occupe de moi en ce moment. » Une peur qu'on a dans notre corps, c'est d'être laissé seul, de ne plus avoir quelqu'un pour nous soutenir. Alors qu'on est cette personne qui est tout le temps présente avec nous-mêmes, nous avons toujours la possibilité de redonner à soi ce sentiment qu'on prend soin de nous. Donc on respire. On prend le temps d'habiter dans notre corps, consciemment être là. Troisième aspect, d'accepter de ressentir l'expérience qu'on vit là en ce moment. Comment je me sens? On essaie souvent de rationaliser notre expérience, de se dire « Ah, c'est pas si grave » ou « quelque chose peut changer » ou vraiment rationaliser ce qu'on vit. Et ça nous empêche de goûter à l'expérience telle qu'elle est. Dire « Ok, maintenant, je me sens stressé, c'est l'expérience que je vis là en ce moment. » Donc, de prendre le temps d'accepter et de goûter pleinement cette expérience. C'est le fait de goûter à l'expérience que vous vivez qui va vous permettre de relâcher cette expérience. La voie de sortie, c'est la voie d'entrée. Pour vous libérer, sortir d'une expérience souffrante ou une expérience qui n'est pas plaisante, c'est de prendre le temps d'aller dedans pour la sentir. Je ne dis pas de manifester des expériences difficiles autour de vous pour les vivre, simplement cette expérience qui est déjà là dans vous. Ça peut être un mal-être, un gros challenge qui va se passer, des soucis du passé qu'on traîne avec nous, de prendre le temps d'aller les sentir. Ça ne se fait pas juste en un claquement de doigts, mais petit à petit on prend ce temps-là et on découvre d'autres aspects de nous-mêmes. On arrive à comprendre comment on a créé ces mécanismes et ces situations dans notre vie pour qu'on en soit là maintenant. Quatrième aspect, c'est de prendre le temps d'observer ce qui se passe. D'observer, déjà une partie de notre mental, il y a souvent du drame, qu'on rajoute le drame, qui est d'ajouter plus de pression à la situation actuelle en regardant les choses de manière non neutre. Par exemple, on se sent seul aujourd'hui et puis « Oh, je suis seul, il n'y a jamais personne qui va m'aimer, jamais personne qui va être là avec moi. » Alors que simplement, l'expérience vécue, c'est vous êtes seul maintenant. Tout ce qui va se passer dans le futur, vous ne le savez pas encore. Ce qui s'est passé dans le passé de « Ah, c'est terrible, maintenant il ne va plus jamais me porter attention parce que j'ai dit telle ou telle chose », c'est encore une mauvaise perception de ce qui s'est passé. Ce qui se passe maintenant, c'est peut-être que personne ne vous parle pas en ce moment. Enlevez tout le drame qu'on ajoute là-dessus. L'expérience qui se passe, la voir telle qu'elle est. Et petit à petit, de travailler avec ces quatre états d'être-là nous permet de nous connecter
au moment présent et de prendre les choses vraiment comme elles sont. Simplement. Donc voilà ce que j'utilise pour me reconnecter à moi-même. C'est un moment de stress, un moment difficile, un moment où il y a du drame dans la vie. Respirer, habiter, être présent là dans nous, ressentir, avoir ce désir de goûter à l'expérience et observer. Vous êtes observateur de ce que vous vivez. Merci beaucoup d'avoir donné ces techniques qui permettent vraiment de réussir à lâcher prise du mental et faire taire toutes des petites idées ou ce mental qui réfléchit trop avec la petite roue incessante. Donc on va vraiment prendre le temps de respirer pleinement avec le ventre et ensuite d'habiter pleinement l'émotion, de ressentir et d'observer. C'est bien ça, j'ai bien suivi les quatre. C'est exactement ça. Okay. Quand vous voyez, si je peux rajouter, bien sûr, le hamster qui tourne sans arrêt dans la tête, c'est de voir que, ok, j'observe que ce hamster tourne sans arrêt dans la tête. Plutôt qu'essayer de le faire arrêter ou de le ramener sur quelque chose d'autre, une manière que j'ai de voir ça, c'est remplissez un grand bol d'eau et faites tomber une goutte d'eau dessus. Vous allez voir, ça va faire plein de remous à la surface. Si vous essayez de contrôler ces remous pour les arrêter, vous allez créer plus de remous en touchant chacune de ces vaguelettes. Donc, d'observer qu'il y a du remous en ce moment, il y a ce hamster qui tourne dans ma tête. Le fait d'observer ça, sans vouloir changer la situation, petit à petit, cette eau qui remplit votre bol va se calmer. Et l'hamster va gentiment se calmer et arrêter de tourner à 300 à l'heure dans votre tête. Quand il tourne encore, portez attention à ce que vous vivez, votre respiration qui est calme, présente dans votre corps. Voilà. Merci beaucoup pour cette introduction à la méditation. Merci beaucoup, Jivatan. Merci, Armani. À bientôt pour la suite.